Vous n'avez pas tort de rester sur Carrefour Télévision. Voici votre journal. Un seul titre pour cette édition présidentielle aux États-Unis, comeback historique de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche. Le candidat républicain a raflé les deux États disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en étoile leader avant que la Pennsylvanie ne suive et que le Wisconsin ne vienne en tirer les derniers espoirs de Kamala Harris. Une victoire qui forcément ravit les républicains. Le développement, c'est dans un instant. Donald Trump a réussi ce mercredi 6 novembre son pari de revenir à la Maison-Blanche. Une victoire sans appel qui provoque une onde de choc aux États-Unis et à travers le monde. Le décompte des votes s'est fait depuis le début de la journée. Et en ce moment, Donald Trump réclamait déjà sa victoire après ses grands électeurs côté Pennsylvanie. Retour dans l'ambiance des proclamations de résultats, c'est dans cet élément. Je serai le 47e président et je vous remercie. Le candidat républicain Donald Trump se croyait déjà aux portes de la Maison Blanche après avoir remporté plusieurs états décisifs. Sans attendre le décompte final, il revendique ce mercredi 6 novembre une victoire politique jamais vue dans ce pays qu'est les États-Unis. En Caroline du Nord, en Géorgie, en Pennsylvanie, en Floride et au Texas, dans ces états cruciaux pour la campagne, Donald Trump a fait bouger les lignes tout au long de cette journée. Par ailleurs, aux États-Unis, c'est une élection générale qui se fait, même si l'on met en avant la présidentielle, d'où la notion de Sénat qui est très en vue avec une grande majorité acquise par les républicains, vraisemblablement à Donald Trump. Nous avons écrit l'histoire, retorquait encore Donald Trump lors de sa prise de parole après sa victoire écrasante en Pennsylvanie pour 267 grands électeurs. Le chiffre magique de la présidentielle américaine reste 270, le nombre de grands électeurs pour s'attribuer une victoire. Tout comme une douche froide, les électeurs démocrates dans le désarroi pendant les publications des résultats. Kamala Harris a renoncé à s'exprimer tout juste après Donald Trump. Depuis la tombée des résultats favorables aux candidats républicains, les dirigeants étrangers félicitent Donald Trump. Victor Orban, premier ministre hongrois, est le premier dirigeant européen à féliciter Donald Trump sur le réseau social Twitter. Également le président français Emmanuel Macron, sans oublier son allié principal Elon Musk, le chef de l'Alliance OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, félicite Donald Trump pour cette impressionnante victoire. Les exploits de Donald Trump sont donc montés minute by minute pour atteindre ce seuil incomparable de grands électeurs qu'il a atteint à la fin de ses décomptes. 277 votes au total pour la victoire de Donald Trump. Le candidat républicain a remporté les élections présidentielles, devenant ainsi le 47e président des États-Unis après avoir remporté l'état crucial de Wisconsin. La victoire de l'ancien président a été nette et rapide, contrairement au sondage qui prédisait un score très serré et un long dépouillement. Arthur Cédric Moudior pour les précisions. Donald Trump has secured the presidency, becoming the 47th president of the United States after winning the crucial swing state of Wisconsin, which helped him surpass the 270 electoral votes needed. This marks a remarkable comeback for Trump, who had previously refused to accept his defeat 4 years ago and was involved in a violent insurrection at the Capitol. Despite being convicted of a crime and surviving two assassination attempts, Trump's campaign rhetoric resonated with angry voters, particularly men, in a deeply polarized country. Trump's victory is seen as a validation of his bare-hand policy approach, which emphasized economic recovery and strict immigration control.
His campaign was marked by personal attack on his democratic rival Kamala Harris, using misogynistic and racist language and portraying a dire picture of a country overrun by violent migrants. As president, Trump plans to implement a radical overhaul of the federal government and pursue revenge against perceived enemies. In his victory speech, Trump declares that he had won. However, his presidency will be faced with significant challenges, global crises, and testing American influence abroad. Fait majeur au Cameroun, 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, cela fait exactement 42 ans que le président de la République, son Excellence Paul Biya, accédait à la magistrature suprême. Le bilan de ces 42 années de règne reste en faveur de l'homme lion du point de vue humanitaire. Militants et sympathisants ont donc célébré cette journée sur tout l'étendue du territoire national. Reportage. Plus de 4 décennies après son accession au pouvoir, Paul Biya, président de la République du Cameroun, préside avec brio ce pays qui lui est cher. Son ardeur, sa motivation de faire du Cameroun un pays démocratique et prospère demeure intacte. Le chef de l'État a toujours fait preuve de solidarité envers les personnes déplacées, fuyant les conflits, car le Cameroun est un grenier d'Afrique et surtout une terre de refuge. Illustrant ce cas, éruption dans le camp des réfugiés nigérians de Minawao, dans la région de l'extrême nord, à Bogob, Ngam, dans la Damawa, mais également à Gado-Badiri, dans l'est du Cameroun, où l'État camerounais, en collaboration avec ses partenaires internationaux, ne lésine sur aucun moyen pour venir en aide aux réfugiés centrafricains. Avec l'avènement de la crise politique en Centrafrique, la commune de Meganga a reçu des milliers de réfugiés et informé de la situation, le chef de l'État très très rapidement a fait construire un camp de réfugiés en Gam où logent en ce moment 6000 réfugiés centrafricains. Malgré des turbulences et des vents tumultueux, des avancées significatives sont visibles dans les secteurs de la vie publique. Avec le concours de la protection civile, le président Paul Biya ne cesse de montrer son intérêt ardent aux pleurs de ses populations face aux différentes catastrophes perpétrées dans le pays ces derniers temps, notamment les inondations au Mayo-Danaï dans l'extrême nord. Ayant fait énormément de victimes, le chef de l'État a débloqué un peu plus d'un milliard de francs CFA afin d'assister ses compatriotes sinistrés. Le premier magistrat camerounais n'a de limite au plan humanitaire. L'on se rappelle qu'avec la crise de coronavirus, le pays de l'homme du 6 novembre a contribué au projet mondiaux visant à distribuer des matériels sanitaires et des vaccins. Quant aux missions de maintien de la paix en Afrique centrale, qui de mieux que le Cameroun, avec ses experts et ses troupes déployées sur le terrain. 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, cela fait 42 ans que le Renouveau œuvre et soutient son engagement humanitaire auprès des populations. Aujourd'hui encore, des quatre coins du pays, partisans, militants et sympathisants du parti au pouvoir, le RDPC, le célèbre et tous, se mobilisent derrière l'homme. Même si les défis importants restent encore à relever sur tous les plans, Paul Biya reste au taquet, prêt à soutenir les victimes de catastrophes et conflits en Afrique et partout dans le monde. Le Renouveau œuvre. Un autre drame au Cameroun fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce 5 novembre 2024, la falaise de Tchang a été le théâtre d'un double éboulement dévastateur, entraînant la mort de plusieurs personnes et plongeant la région dans le désespoir. Les autorités s'activent pour porter secours aux victimes tout en instaurant des mesures d'urgence. Le récit des faits, c'est avec Idriss Yaka. Mardi 5 novembre 2024, aux alentours de 10h40, un éboulement de terre s'est produit à la falaise de Tchang, interrompant brutalement la circulation sur l'axe routier Tchang-Sancho. Dans un communiqué officiel, le gouverneur de la région de l'Ouest a informé les populations et les usagers de la voie publique de cette tragédie. Alors que les engins mobilisés par la délégation régionale des travaux publics de l'Ouest et la mairie de Tchang s'approchaient de l'achèvement des travaux d'urgence pour le déblaiement de la chaussée, un second éboulement d'une ampleur considérable s'est produit vers 14h30. La panique a alors gagné les riverains et les usagers qui ont tenté désespérément de fuir pour éviter le pire.
Selon le communiqué du gouverneur, des images capturées par un drone montrent trois engins lourds engagés dans les opérations de déblaiement du premier éboulement Sévéli sous les décombres, ainsi que trois véhicules de transport de type coaster, cinq véhicules type pique-nique et plusieurs motocyclettes. Au cours de ces travaux, leur grande surprise, il y a eu un deuxième éboulement qui est venu maintenant enterrer, dégager, enterrer tous les engins qui étaient en train de travailler. Les voitures qui étaient stationnées, qui attendaient le rétablissement de ce trafic, ont été tous enterrés. Des passants et riverains ont également été identifiés parmi les victimes. Le bilan provisoire fait état de quatre corps estipés des débris. Tandis que les recherches se poursuivent sur le site afin de retrouver d'autres victimes de cette catastrophe naturelle tragique, des mesures immédiates ont été prises. Le trafic entre Sangchou et Chang est strictement interdit à tout type d'engin jusqu'à nouvel ordre. Il est recommandé aux usagers se dirigeant vers Chang, Bouda ou Baminda, ainsi qu'à ceux en partance vers le littoral, d'emprunter l'axe Melong, Kekem, Bafan, Bafoussam. En dehors des équipes de secours, les populations sont priées de s'éloigner de la zone sinistrée qui présente un risque élevé d'éventuels nouveaux éboulements. Cette tragédie rappelle l'imprévisibilité des forces naturelles et suscite une profonde tristesse au sein des communautés touchées. Les pensées vont aux familles endeuillées et aux disparus dans ce drame. Courage à tous les sinistrés. Le 4 novembre 2024, à Libreville, le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, au Gabon, a dévoilé les conclusions du rapport mondial sur le développement humain 2023-2024. Cette étude, qui dresse un état des lieux du progrès humain à l'échelle mondiale, révèle la position des pays de la CEMAC. Saïdou Al-Abdou pour les détails. La CEMAC, bien que riche en ressources naturelles, n'a pas réussi à transformer cette richesse en amélioration significative du bien-être des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement pointe la mauvaise répartition des ressources, la faible diversification économique et la corruption comme principaux freins au développement humain. Sur 193 pays étudiés par le PNUD, le Gabon, en tête de la CEMAC, se positionne à la 123e place au niveau mondial grâce à ses progrès en éducation et en santé. La Guinée, juste derrière, occupe le rang de 133e, suivi du Congo-Brazzaville. Le Cameroun se situe à la 151e place, puis vient le Tchad. La Centrafrique, quant à elle, minée par les conflits et l'instabilité, termine au rang de 191e, l'un des plus faibles au monde. Ce rapport met en lumière le manque d'investissement et de gestion dans les services de santé et d'éducation, limitant l'accès pour la population et les femmes rurales. Le PNUD appelle ainsi à des réformes pour une meilleure gouvernance, une gestion accrue des ressources et une coopération régionale renforcée pour élever. Et Coopération Afrique du Sud, pays de Galles. Pour sa première visite en Afrique du Sud depuis 2010, le prince de Galles, William, a fait la rencontre du président Cyril Ramaphosa. Au sorti de ces échanges importants, William annonce un soutien financier pour les Rangers africains. Un reportage ici signé Saïdou Al-Abdou. Le prince William s'est rendu en Afrique du Sud pour une visite de 4 jours au cours de laquelle il a rencontré le président de la République, Cyril Ramaphosa, afin de discuter de plusieurs questions clés d'intérêt commun. Durant son séjour, il a participé à divers événements, dont la cérémonie annuelle de remise du prix Airshot Prize. Par ailleurs, il a annoncé l'octroi d'un soutien financier et de formation destiné aux gardes forestiers africains. Cette visite du prince de Galles reflète les relations solides entre le Royaume-Uni et en particulier la famille royale et l'Afrique du Sud. Elle marque également une étape supplémentaire dans les renforcements de ces liens historiques. Par ailleurs, le Cameroun, invité d'honneur de la 20e édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie qui se déroulera à Vannes en France du 8 au 11 novembre 2024, mettra en lumière son savoir-faire culinaire et la qualité de son cacao. Cet événement prestigieux sous le thème « La fête et la gourmandise » réunira plus d'une centaine d'exposants, offrant une vitrine exceptionnelle pour les délices sucrés et l'artisanat culinaire. Idriss Yaka.
Le Cameroun sera l'invité d'honneur de la 20e édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie qui se tiendra à Vannes, en France, du 8 au 11 novembre 2024. Cet événement prestigieux, placé sous le thème « La fête et la gourmandise », rassemblera plus d'une centaine d'exposants venus de France et d'ailleurs, constituant ainsi une vitrine majeure pour la chocolaterie, la pâtisserie et l'artisanat culinaire. Le salon accueillera des artisans et maîtres chocolatiers qui présenteront leurs créations en chocolat, pâtisserie, boulangerie, confiserie, glace, café, thé, fruits secs et bien d'autres délices sucrés. Ce sera l'occasion pour le public de découvrir une large gamme de spécialités gourmandes tout en mettant en lumière les talents de divers pays producteurs. La délégation camerounaise, conduite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangana, représentera dignement le pays à cet événement d'envergure. Selon les services de communication du ministère, cette invitation d'honneur souligne l'engagement du Cameroun dans sa politique de diversification économique et s'inscrit dans une dynamique de promotion des produits camerounais sur la scène internationale. Cette participation est également perçue comme une reconnaissance de l'attractivité croissante du Cameroun et de la pertinence de sa stratégie nationale de développement. Lors de cette édition, un acteur majeur de la scène chocolatière camerounaise, Cyril Wanjidiako, promoteur de la pâtisserie, main d'ange, sera présent pour représenter le Cameroun. Vainqueur de la première édition du concours Choco Pat Battle, organisé par Aristide Tchemchoa, présidente de la coopérative des producteurs de coq et kogo. Sa participation au salon représente une formidable occasion de mettre en avant le savoir-faire camerounais en matière de transformation du cacao. L'invitation du Cameroun à ce salon intervient à un moment où le cacao du pays suscite un intérêt croissant auprès des chocolatiers et producteurs internationaux. Cela inclut les membres de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France ainsi que la célèbre chocolaterie italienne Domori, reconnue pour son expertise dans la transformation du cacao fin. Pour le ministre Luc Magloire Barga Tangana, cet engouement pour le cacao camerounais reflète non seulement la qualité exceptionnelle des fèves, mais également l'attrait grandissant du pays dans les secteurs agricoles et agro-industriels. Ainsi, cette participation au salon de Vannes représente une opportunité précieuse pour promouvoir le cacao camerounais et renforcer la position du pays sur le marché mondial du chocolat. Au sud-est de l'Afrique, le Mozambique connaît des tensions post-électorales après que les résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre ont déclaré Daniel Chapo, le candidat du parti Frelimo, vainqueur avec plus de 70% des voix. Depuis quelques temps, le pays sombre dans la violence et Arthur Cédric Moudjo nous déclare ce qui se fait. The outgoing president Philippe Nyusi has called for an end to the protest, condemning the destruction of public infrastructure. The tensions stem from the October 9 presidential election results, which declared a victory to Daniel Chapo, the Frelimo party candidate. The opposition party, Podemos, supporting candidate Vanessio Mandlani, had contested the results, alleging widespread electoral fraud and feeling a legal challenge. The Independent Electoral Commission announced that Chapo secured over 70% of the vote, but the results are pending confirming by the Constitutional Council. While the opposition continues to demonstrate, the outgoing president has hinted at the possibility of dialogue following the release of the final result in an effort to ease the political climate. The outgoing president is considering dialogue to calm the political situation once the final election results are confirmed. Clap de fin de cette édition d'information, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Madame Adia Aminatou Mouliom était à la supervision générale de ce journal. Bonne suite de nos programmes sur Carrefour Télévision.